Le tribunal criminel. Monsieur Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Ansoumane Kaba. Venez. Parti civil. Merci, monsieur. Mon général, je voudrais savoir, au moment des faits, quel est le camp qui abritait vos bureaux? Celui de Alpha Yaya ou Ben Samori Touré? Camp Alpha. Camp Samori. Est-ce vrai que tous les militaires de l'armée de terre étaient sous votre direction, sous votre hiérarchie? Les unités qui relevaient de moi sont bien distinctes. Est-ce que le camp qui se trouve à Kassa, camp Kundara, ZIR, groupe d'intervention rapide, est-ce que ces unités la relevaient de vous? Non. Mais c'était quand même des militaires de l'armée de terre qui étaient dans ces différentes unités. Armée de terre, c'est par profession. L'infanterie, les parachutistes, l'artillerie, et beaucoup d'autres. C'est ce qu'on dit armée de terre. Tout ce qui évolue reste à terre. Ils sont différents de la marine et de l'aviation. Est-ce que pour qu'un groupe de militaires sorte du camp Alpha Yaya, ils doivent auparavant avoir l'accord du commandant du camp, ou bien de vous, chef d'état-major général de l'armée de terre? Moi, je n'autorisais pas le quotidien des unités. Vous ne gériez pas le quotidien des unités? Des unités. Ça veut dire que chaque unité pouvait faire ce qui... pouvait faire leur mission, déposer les gardes là où ils ont la charge, sans que je me donne l'ordre. Sans que vous, vous les donniez l'ordre. Bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas restreindre les mouvements du président. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que le président de la République d'alors pouvait faire tout ce qu'il voulait sans qu'aucun de ses chefs d'état-major général de l'armée de terre, de mer, de l'air, ne lui dise d'arrêter ou de lui donner des conseils. Serait-ce que moralement pour qu'il s'abstienne de poser cet acte? Je ne peux pas répondre à cette question. Et quand est-ce que vous avez appris qu'il y a eu le carnage au stade de temps? Je ne sais pas le réglage. Et à qui devriez-vous remonter cette information macabre? À qui? Je vous ai dit ici que l'armée, on ne rend pas compte de ce qu'on a appris. Oui. Donc je n'avais rien à dire à la hiérarchie. Vous ne pouviez rien dire à la hiérarchie. Donc vous avez, cela veut dire que on pouvait tuer tous les habitants de Conakry, vous êtes au courant et vous ne pouvez pas remonter cette information parce que vous en avez entendu parler. Il y a les corps partout à Conakry. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourtant vous devez
répondre à cette question. Parce que vous étiez le patron de l'armée de terre. Et on vous a dit qu'il y a un carnage, beaucoup de corps. Vous avez même appris qu'il y a eu des camions qui sont allés ramasser les corps. On a ramené ces corps au camp. Vous avez appris tout cela. Et vous ne pouviez rendre personne à compte à personne, n'est-ce pas? Je n'ai pas la réponse à cette question. De fait, mon général, le camp Alpha Yaya était sous le commandement de qui? C'est-à-dire qui était le commandant de ce camp? Camp Alpha Yaya Diallo. Je répondais à cette question. Pouvez-vous revenir sur la réponse? Gambaouri. Gambaouri, Diamanka. Oh, mon général, au moment des faits, pouviez-vous rester dans votre bureau climatisé au camp Amami Samori et qu'on envoie là 4-5 camions de corps, contenant des corps, sans que vous ne cessiez à savoir qui a envoyé ces camions, où est-ce qu'on a fait partir ces camions, qui les a enlevés, pourquoi? Cela a été possible? Et un patron de l'armée de terre? Personne n'est venu à mon bureau, mais il y a des corps là-bas. J'ai appris. C'est après que vous l'avez su. Et quand vous l'avez su, qu'est-ce que vous aviez fait et qu'est-ce que vous aviez dit et à qui? Je répondais à cette question. Donc, quand vous l'avez su, vous avez continué à croiser les bras. Vous n'avez pas discuté avec votre chef hiérarchique, le chef d'état-major, le chef d'état-major général des armées. Vous n'aviez non plus en parler avec le ministre de la Défense ou le chef de l'État, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Cela. J'ai répondu à cette question. Dans l'armée, ce n'est pas les informations qu'on apprend, qu'on rencontre. Pourquoi? On en discute. Et ce que tu vois. Et ce que tu vois. Donc, puisque vous aviez dit que tout le monde l'avait appris, vous n'en avez pas discuté donc à votre direct? Non. Ça veut dire qu'on a minimisé l'ampleur des dégâts, hein, mon général? Je ne peux pas répondre à cette question. Si, on a minimisé l'ampleur des dégâts. Plus de 300 personnes tuées, les corps déposés au camp Anami Samori, votre bureau est là. Vous n'avez pas entendu parler, vous n'avez pas vu. Vous n'avez même pas daigné descendre de votre bureau pour voir les corps. Est-ce normal, mon général? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Quand vous dites que le régiment était sous le commandement du ministre de la Défense et du chef de l'État à l'époque, parce que vous l'avez vu dans votre PV d'audition devant le juge d'audition, vous l'avez vu. Vous, les autres généraux de l'armée de terre, de mer et de l'air, pouviez-vous rester indifférent et que le régiment commandé par le chef de l'État ou par son ministre de la Défense fasse un carnage, vous ne réagissez pas? Pensez-vous pas que vous aviez adopté une position complice? Parce qu'on dit souvent que quand tu subis le mal ou tu vois le mal se réaliser, il ne réagit pas. Il doit devenir complice de son mal. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mon général, parlez-nous des corps. Corps que vous avez vus ou corps dont vous avez entendu parler. Parlez-nous de ces corps. Je n'ai pas vu. Est-ce que vous arrivez de rencontrer le chef de l'État à l'époque? Directement, sans l'intermédiaire ou sans la présence de votre chef, le chef d'état-major général des armées? Non. Il vous est jamais arrivé de le rencontrer dans son bureau? Non. À quelle occasion vous le rencontriez? Et quand le ministre de la Défense, oui,
demande le chef de gouvernement. Oui. On se regroupe. Oui. Avec lui. Oui. Maintenant, on va voir le président. Est-ce que, avant, pendant ou après les événements, cela a été le cas? Vous l'avez rencontré ensemble avec le ministre de la Défense? Non. Donc, même avec cette gravité des faits, vous ne l'avez jamais rencontré. Vous et le ministre de la Défense et à la présidence du chef d'état-major général des armées, vous n'avez jamais rencontré le chef de l'État pour en discuter, pour en parler. Vous ne l'avez jamais fait. Non. Êtes-vous d'accord avec moi, mon général, que vous avez minimisé le carnage, les dégâts? Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que pour vous, vous avez accordé de l'importance, de valeur? Est-ce que vous avez respecté l'âme de ceux qui ont été assassinés, ceux qui sont tombés au stade, à ne pas le faire, à s'abstenant de se rencontrer avec la hiérarchie, votre hiérarchie? Je n'ai pas la réponse. Après tout, mon général, comme vous l'avez vous-même dit, que tout le monde en avait entendu parler, il y a eu des morts. Donc ça veut dire que vous-même, vous en avez entendu parler. Est-ce qu'on peut connaître le nombre exact des morts aujourd'hui, avec vous? Je ne peux rien vous dire sur ça. Je vous ai dit déjà que moi, tout ce qui concerne les morts, j'ai tellement de respect pour les morts que je n'en parle pas. Mon général, ça ne vous surprend pas? Ça ne vous étonne pas? Il y a des camions contenant des corps, se retrouvent au domicile du feu général à Sanakonté. D'autres se retrouvent au camp Alpha-Aya. Finalement, on regroupe tous les camions contenant des corps au camp Alpha Samori. Votre bureau est là, au camp Samori. Votre chef hiérarchique est là. Vous tous, on fait sortir de ces corps du camp sans que vous ne soyez au courant. Ça ne vous dit rien, vous? Je n'ai pas la réponse à ça. Ça veut dire que vous étiez au courant. Où est-ce que les corps sont partis? Je vous ai dit que j'étais à mon bureau. Oui. Je n'ai pas vu le corps. Et vos prédécesseurs, vos chefs, ont bien dit ici, à cette part, que les corps ont été amenés au camp Al-Mami Savouri. Je n'ai pas la réponse à cette question. Par rapport à leur déclaration, qu'en dites-vous? Rien à dire. Donc vous étiez le chef d'état général de l'armée de terre, mais vous ne connaissiez pas ce qui s'est passé en Guinée. Quoi? Vous n'étiez au courant de rien par rapport à ces événements. Vous étiez dans votre bureau du début à la fin. J'étais dans mon bureau du début à la fin. Et on vous a rien apporté. Vous n'avez pris aucune décision. Vous n'êtes pas descendu voir les camions de corps. Vous êtes resté indifférent. N'est-ce pas? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur les assesseurs, très merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon général, bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer par vous poser la question de savoir pourquoi n'aviez-vous pas été à la réunion appelée à la veille du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. Je peux avoir la réponse pour me permettre de du voyage de l'abbé. Pardon? J'étais du voyage de l'abbé. Merci. À votre retour de l'abbé, votre adjoint serait là. Ne vous a pas rendu compte de ce qui s'était passé? J'ai déjà répondu à cette question. Bien. Vous êtes militaire de formation. Bien. Par rapport à ces victimes, aux personnes qui ont perdu la vie au stade, pourquoi n'avez-vous pas pris soin d'en parler, ne serait-ce qu'avec vos collaborateurs?
parce que des mesures de sécurité ont été prises. On a demandé le casernement de tous les militaires. Et la sécurité serait assurée par la gendarmerie et la police. Mais il se trouve que des militaires sont allés tuer sur le terrain. Et en tant que chef d'état-major des armées de terre, quel a été quand même le remords que vous avez ressenti? Je n'ai pas la réponse à ça. Bien. Je sais que par rapport à cette réponse, je ne serais pas étonné parce que à la formation commune de base, on dit toujours aux militaires, la stratégie c'est d'avancer, mais d'avancer sur des cadavres. Oui, on tue pour avancer. Donc, ça, bon, je reviens au stade. Mon commandant, mon colonel, mon général, le régiment commando, dont vous avez dit une fois là, on vous a dit de ne pas vous mêler, que c'est une affaire dans laquelle vous ne devez pas intervenir. Confirmez cela. Oui. En votre qualité de général, vous avez des hommes et on vous dit de ne pas vous mêler dans la gestion de la sécurité des Guinéens. Est-ce que vous ne deviez pas, en tant que patriote, démissionner? Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, il n'y a pas de démission chez vous. Bien. Le train relève de qui? Le chef d'état-major général des armées. Pas de vous? Non. Et la dotation en armement, ça relève de qui? Le chef d'état-major général des armées. Pas aussi de vous? Non. Et les dotations, disons, bon, je voudrais dire, vous avez dit que les commandants d'unité sont chacun responsable de ces unités. Et vous, vous êtes le grand responsable de ces commandants d'unité. Est-ce que ces commandants ne vous rendent pas réellement compte à tout moment, à toutes les opérations, toutes les fois qu'il se passe quelque chose, pour vous rendre compte? L'essentiel de ce que je dois être au courant, c'est qu'ils me remontaient. L'essentiel, on vous remontait l'essentiel. Bien. Est-ce que le carnage du stade du 28 septembre, ce n'est pas une chose essentielle? C'est ça pas fait leur, pas partie des essentiels? Ce n'est pas leur quotidien, ça. Pas un quotidien, il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Ce n'est pas leur quotidien, ça. Mais vous savez, un chef d'État, par exemple, ses oreilles et ses pieds sont ses ministres. Vous le savez bien. Un chef d'État, ses oreilles, ses pieds sont ses ministres. Ses yeux sont ses ministres, quand même. Je le sais. Donc, par rapport au compte rendu, je pense que vous avez des hommes sur le terrain qui peuvent vous remonter régulièrement les informations. Ok? Donc, par rapport à cela, moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que le mot essentiel pour vous? Le service quotidien qu'ils font. C'est ce qui est essentiel. Vous avez dit avoir appris qu'il y a eu des morts. Est-ce que
L'information vous est parvenue à travers qui? Hein? Qu'est-ce qui vous a donné l'information du carnage du stade? Tu as répondu à cette question. Ok. Je vous remercie. Je vous demande de prendre courage en tant que témoin. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Mon général, vous avez dit dans votre procès verbal, est-ce hier, avec la permission de monsieur le président, vous avez dit, en répondant à une question, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. En nous fondant sur le terme ou les propos, le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Vous êtes fondé sur quel comportement du régiment pour le dire? Du moment qu'il n'y a pas de chef responsable d'une unité, c'est le désordre. Bien. Vous connaissiez colonel Tambakalas Tondo? Oui. Il était. Il était l'adjoint de Diamanka. Bien. Vous allez écouter ce qu'il a dit dans son procès verbal. Toujours avec la permission du tribunal. S.I.R. il dit ceci. Entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. S.I.R. le président avait son commandement. Nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, qu'on ne pouvait pas contrôler. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par eux. Qu'en dites-vous donc par rapport au désordre? Est-ce qu'il a bien décrit une partie du désordre? Il n'y a pas de commentaire sur cette description. Bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Par rapport toujours au désordre. Vous avez connu colonel Moussa Keïta. Feu Moussa Keïta, qui est décédé, membre du CNDD. Oui. Lui, dans son procès verbal, il a décrit un peu le comportement du Pumba qui ne respectait pas la hiérarchie. Est-ce que ça fait partie du désordre du régiment commando? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Bien. Mon général, concrètement, vous avez fait quoi le 28 septembre en votre qualité de haut gradé occupant la haute fonction au sein de l'armée guinéenne? Qu'est-ce que vous avez pu faire le 28 septembre? J'ai respecté les instructions données. Oui, c'est tout. Je vous remercie, monsieur le président. Je n'ai plus rien d'autre. Merci, monsieur le président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon général, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ce qui suit.
À mon entendement, j'ai bel et bien accompli ma mission. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Quelle mission aviez-vous accomplie ce jour 28 septembre 2001? La mission habituelle de l'armée. Comme quoi, par exemple? Je suis resté à mon poste et j'étais en contact avec les unités que je commandais qui m'ont rendu compte qu'effectivement les instructions données ont été respectées. Bon général, est-ce que vous n'étiez pas au stade ce jour-là accompagné de certains de vos hommes? Non. Vous le confirmez? Je n'étais pas au stade, je n'ai pas sorti de mon bureau. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ceci. Le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Est-ce que les éléments de Kalea pouvaient quitter leur camp, venir au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara ou de son ministre de la Défense? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est votre droit. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon général, quand est-ce que vous avez été nommé chef d'état-major de l'armée de terre et quelles étaient vos attributions à votre entrée en fonction? Il y a un texte. Il y a un texte, un décret, dans les attributions de chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ce qu'il veut savoir, quand est-ce que vous avez été nommé et quelles étaient vos attributions? J'ai été nommé à la prise de pouvoir, je ne me rappelle pas de la date. Exact. Je dis, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous connaissez que vous occupez un poste important? On ne peut pas nommer quelqu'un à ce poste si le président n'a pas confiance en vous. Je ne peux pas répondre à cette question. Bon, général, est-ce que au niveau de l'état-major général, vous arrivez à faire des réunions périodiques, des rencontres périodiques pour parler de l'armée avec votre chef d'état-major? Oui, on le faisait souvent. Et en tant que chef d'état-major de l'armée, est-ce que vous savez que la responsabilité, elle est bonne, mais il y a aussi des obligations de la responsabilité? Vous le savez? Oui. D'accord. Vous, en tant que chef d'état-major de l'armée, quelles étaient les différentes unités qui relevaient directement de vous au camp Alpha-Yaya? Je veux parler d'abord du camp Alpha-Yaya. J'ai répondu à cette question. Est-ce que vous connaissez Sambaru Diamanka? Oui. Est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de renvoi en date 29 décembre 2017 est écrit que parmi les éléments qui sont partis, il a envoyé un commandement qu'on appelle la Numba au stade. Est-ce que vous le savez? Non. C'est écrit dans l'ordonnance. Pour lui, il relève de vous selon ce que vous savez. Est-ce que normalement, si les instructions ont été respectées, comment il peut envoyer la Numba au staff pour aller massacrer les gens? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon général, au niveau du camp Samoa,
dans l'enceinte de Kansamou. Je crois vos bureaux sont voisins des uns des autres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas loin du chef d'État et du commandant du PDG, M. Edouard Biya. Vous n'êtes pas loin du chef d'État-major, le général Oumar Sall. Est-ce qu'il peut y avoir des événements? Vous êtes à Conakry. Vous n'êtes pas à Zérékouré, vous n'êtes pas à Labé, vous êtes à Conakry. Les radios sont là. Les gens parlent et que vous, vous ne soyez pas informés. Vous avez même des partenaires qui sont avec vous. Ils peuvent vous donner des informations parce que vous êtes un chef. Il y a des gens qui sont là. Et que vous vous dites que vous n'êtes pas au courant du guerre. Est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'il y a une logique dans cette réponse, mon commandant et mon général, tout le temps? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le jour du 28 septembre, vous avez soutenu que vous étiez au bureau jusqu'à 22 heures. Et on vous informe qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Les manifestants ont été dépouillés de leurs biens. Les femmes ont été violées en tant que père de famille. Étant chef d'état-major, est-ce que vous ne devez pas réfléchir pour prendre des dispositions par rapport à ça? Si vous pouvez minimiser le massacre et rendre compte à votre chef. J'ai répondu largement à cette question ici. Mon général, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on ne doit pas initier des choses, on ne doit pas créer des initiatives dans le sens de garantir le pouvoir? Parce que si le pouvoir est garanti, vous aussi vous êtes garanti. Si le pouvoir n'est pas garanti, vous n'êtes pas garanti. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Donc, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on doit seulement regarder la responsabilité, mais sans faire des initiatives pour conserver ceux qui vous ont fait chef, pour conserver leur intérêt, leur régime? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon. Au niveau du Kalfaya, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, parce que même la garde présidentielle, composée des rangers, composée de l'artillerie, composée des commandos chinois, relève de l'armée de terre dans la structure traditionnelle. Mais pour des raisons inavouées, inavouables, le chef, seul le chef le donne des ordres. Donc la garde présidentielle relève du chef. C'est une garde autonome. Ou concernant l'arsenal de guerre, c'est-à-dire la munition, les armes, est-ce qu'il peut y avoir sorte d'armes en tant que chef d'état-major de l'armée de terre et que vous, vous ne soyez pas informé, même à travers les tactiques, la transmission, parce qu'on voit les militaires avec les tactiques que vous transmettre, ils peuvent informer le chef IHC, ils peuvent informer leurs collaborateurs. Qu'en dites-vous, mon général? C'est possible. Mais ce jour-là, quand les armes sont sorties, est-ce que vous avez été informé? Parce que la consigne a été violée. Non. Vous n'avez pas été informé. Mais aujourd'hui, depuis que le massacre s'est passé, ça fait 13 ans, ou même plus même, vous avez reçu des informations. Peut-être 28 et les jours qui ont suivi. Ne pas recevoir des informations. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les informations. Parce que à l'époque des affaires, nous ne sommes plus là. Donc, vous avez toutes les informations. Il n'y a aucune intimidation, il n'y a aucune influence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le massacre du 28 septembre? Rien. Merci, M. le Président. Merci, Général, d'avoir répondu à.
Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kaba, est-ce que vous avez des témoins ce jour-là qui pourraient prouver que vous n'étiez pas sorti de votre bureau avant 22h? Est-ce que vous avez des témoins pour ça? Je ne sais pas, quand j'étais à mon bureau. Vous étiez avec votre chauffeur? Dans le bureau, avec ils ont leur salle. Ils dormaient même, ils se couchaient. Ce chauffeur pourrait prouver que ce jour-là, vous êtes rentré au votre bureau et vous n'êtes ressorti qu'à 22h. Oui. Monsieur Kaba, quelles sont les valeurs de l'armée guinéenne? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Kaba, quel est le code d'honneur de l'armée de terre? Vous avez un code d'honneur? L'armée, c'est quand même l'honneur. Est-ce que vous avez un code d'honneur en Guinée? Vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre. Vous devez connaître le code d'honneur. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est bien dommage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Kabar, j'ai une question. Après les événements du 28 septembre, je maintiens que vous êtes resté à votre bureau le jour J jusqu'à 22h. Après, vous êtes parti à la maison. Mais après, l'hiérarchie militaire, est-ce qu'il y a une rencontre entre vous pour tirer les leçons de ces événements? J'ai répondu à cette question. Selon moi, il n'y a pas de réunion. Après les événements, il n'y a pas de réunion au niveau de l'élection. Non. C'est grave. Merci, Monsieur le Président. Le ministère pour la Constitution. On va... Allez-y, alors. Attendez, mais... On va alors essayer de ne plus revenir sur vraiment ce qui est clair dans sa déposition. Bien. Général, vous aviez confiance à M. Sambaru Diamaka? Vous le connaissiez bien? Je le connaissais en tant que commandant d'unité. Il vous rendait régulièrement compte de toutes ses activités? Oui. Il a dit ceci: je ne retiens pas le nom de celui qui était le chef de régiment, mais si vous demandez au chef d'état-major Antoine Kaba, il vous dira le nom. Alors, puisqu'il n'est plus de ce monde, nous, on vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire honnêtement, consciencieusement, le nom du chef du régiment, du commandant du régiment? J'ai dit dans mes déclarations là-bas. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Général Ousmane Kaba, je vous ai suivi depuis le matin et j'ai parcouru votre PV. Je peux vous dire d'emblée que moi, je vous crois. Je vous crois. Je veux donc que nous aidions ce tribunal juste pour quelques précisions. S'il vous plaît. Et je vais d'ailleurs commencer par une question qui vous a été posée et vous indiquer pourquoi vous dites la vérité. Vous savez,
On a voulu vous pousser à indiquer que c'était le président Dadis, c'était le commandant du régiment commando. Et pour cela, on a lu ce bout de phrase-là. Où c'est noté, dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Et on a oublié un passage un peu plus haut. Et là, vous notez, personne ne pouvait dire qui commande le régiment commando. Est-ce que ce n'est pas la preuve quand vous dites que vous ne saviez pas qui était le commandant du régiment commando? Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous dites la vérité? Je ne vous entends pas. Oui, parfait. Alors, juste sur ce point, est-ce que vous avez suivi le chef d'état-major, général des armées, quand il était ici pour déposer en qualité de témoin? Une partie. Une partie. Voici, il a dit, il a déclaré ici que c'est le général Sékouba Konaté, alors ministre de la Défense, il lui a clairement indiqué que le régiment, il n'avait pas à le toucher. Vous l'avez au moins écouté? Oui. D'accord. Vous vous dites que le président Dadis vous a dit, est-ce que c'était au même endroit? Quand on venait sur le président Dadis, oui, on était toujours accompagné du ministre de la Défense. Donc c'est lors de notre réunion là-bas que les deux ont clairement dit que le régiment relève d'eux et que les états-majors n'ont rien à voir avec ce commandement. Parfait. Ce jour-là, est-ce que le chef d'état-major, général des armées, était là avec vous? Je ne me souviens pas réellement, mais je crois qu'on était tous présents. D'accord. Vous croyez que vous étiez toujours présents, donc c'est une possibilité. Alors, puisque les deux ne peuvent pas parler en même temps, qui l'a dit clairement? Qui vous a dit? Qui avait la parole pour vous dire? Parce que pour le général, le chef d'état-major des armées, c'est bien le général Sékouba qui l'a dit. Il était là avec vous. Il l'a dit clairement. Je ne peux pas me souvenir de ça. Oui. Hein? Ils étaient tous présents quand même. D'accord. Donc vous, vous ne pouvez pas vous souvenir que c'est le président Dadis ou bien c'est le général Sékouba qui a prononcé telle phrase. C'est bien cela? C'est parfait. Merci. On va avancer. Alors, je vais vous poser une question encore liée à cela. Est-ce que de temps en temps, vous avez suivi ce procès? Non. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le commandant Aboubacar Diakité, alias Toumba, avait clairement indiqué devant ce tribunal, déclaré, nous avons les audios, c'est avec tout le monde, que de temps en temps, pendant 14 secondes, de temps en temps, il était chargé de certaines missions. Et que les gens ne savaient pas que c'était lui le commandant du régiment commando. Est-ce que vous avez entendu, vous l'avez entendu dire ça ici? Je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi. Je l'ai avec moi
tout a été enregistré par les médias qui sont là. Si c'est le cas, est-ce que dans ces conditions, on peut discuter sur qui était commandant de ce régiment à partir du moment où un des accusés le dit lui-même et publiquement? Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais. Merci. On va avancer, général. Encore une fois, moi, je vous crois. Vous êtes constant avec votre PV et en avançant, je vais vous le faire comprendre que vous êtes constant, vous n'avez pas varié, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser. Moi, je vous crois. Dites-moi, il y a un terme que vous aimez, vous avez parlé de l'essentiel. Pour vous, que représente la discipline dans l'armée? Pour vous. Pour vous, que représente la discipline dans l'armée? Que représente la discipline dans l'armée pour vous? La discipline? Oui. Est-ce que c'est une notion qui vous tient à cœur, la discipline, en tant que militaire? Oui. Oui. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette notion? Le respect. Le respect. Le respect vis-à-vis de qui? Le respect vis-à-vis de qui? De tout le monde. De tout le monde, y compris les supérieurs hiérarchiques. Subordonnés. Ah, vous êtes des subordonnés. Les subordonnés devaient les respecter. Oui. Les supérieurs aussi devaient les respecter. C'est parfait. Et ce respect, c'est aussi compris le respect des instructions qu'on vous donne. N'est-ce pas? Si les instructions sont légales. Parfait. Je reviens justement à là. Est-ce que c'est donc en observation de la consigne du président selon laquelle tous les militaires devraient rester consignés que vous n'êtes jamais sorti de votre bureau? Oui. Est-ce qu'en le faisant, vous avez été un militaire discipliné? Oui. Est-ce qu'en obéissant à cela, cela veut dire que de telles instructions étaient légales? Oui. Est-ce qu'en obéissant à ces instructions-là, cela voudrait dire que ces instructions étaient légales? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire au tribunal ce que pourrait représenter sur le plan militaire et même sur le plan de la sécurité de telles instructions données par le président et répercutées par le chef d'état-major général des armées à travers vous? Est-ce que vous pouvez donner la portée sécuritaire et militaire de cela? La partie. Au tribunal, la portée militaire, la portée sécuritaire de ces instructions légales qui vous ont été données et qu'en bon militaire, vous avez respecté en restant à votre bureau jusqu'à 22 heures. La portée, c'est que les militaires ne sont pas chargés d'intervenir dans la sécurité intérieure. À la sécurité intérieure. Oui. Donc, dès qu'il y a un événement comme ça, qui concerne un mouvement de foule, tous les militaires, pour éviter que les militaires soient mêlés, ils sont consignés dans la part. Général, je suis satisfait, je suis d'accord avec vous. Alors, dites-moi, vous qui étiez le chef d'état-major de l'armée de terre, vous êtes resté à votre bureau. Est-ce que toute cette consigne
était générale ou uniquement particulière à l'armée de terre? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, je vais peut-être poser autrement la question. Je veux dire, est-ce que la consigne répercutée par le chef d'état-major ne concernait que l'armée de terre? Ou est-ce que ça concernait tous les militaires? Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est parfait. Envoyez-vous lire. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Mais dites-moi, si les militaires avaient fait comme vous, étaient restés consignés, est-ce qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre? Je ne peux pas répondre. Vous n'avez pas de réponse à cela. Alors, dites-moi, au moins vous confirmez que c'est parce que vous avez obéi, la discipline étant chère à vous, que vous êtes restés. Et ceux qui ne sont pas restés, est-ce qu'on peut logiquement et même raisonnablement dire qu'ils ont violé la consigne du président? Je n'ai pas de réponse à cette question. On va avancer. Dites-moi, peut-être que je me suis trompé, et si c'est le cas, vous me rectifiez tout de suite. Hein? Et le président de la République me rectifie. J'ai cru comprendre, si j'ai bien compris, que vous avez parlé d'un recrutement à Cancan, ici aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu un recrutement à Cancan? J'ai appris l'information. Je ne peux pas confirmer. Vous avez donc appris qu'il y a eu un recrutement à Cancan. C'est de la même manière que vous avez également appris qu'il y a eu un recrutement à Kalea. C'est bien cela? J'ai appris l'information qu'il y a eu des mouvements de regroupement à Cancan et à Zéro. Oui. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. D'accord. Alors, à Cancan, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous avez aussi appris que c'était le recrutement de Sana? À Cancan, Sana fait partie. Sana fait partie d'eux? Cancan. D'accord. Savez-vous que Sana, là, c'est le village du général Sekouba? Vous le savez. Parfait. Et il y a eu quand même, vous avez appris, il y a eu un recrutement dans le village du général Sekouba Konaté, ministre de la Défense. Je ne peux pas confirmer le recrutement, mais il y a eu des mouvements de la présidence pour le recrutement des jeunes là-bas. Vous savez que je vous... Recrutement ou pas, je ne savais pas si c'était pour ça. Général, l'information là, général, vous savez que je vous comprends parfaitement. Vous avez été très clair, le tribunal vous entend. Vous dites que vous avez appris. Moi, je vais dans votre logique. Et puisque vous aviez appris, si de telles informations étaient fondées, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des recrutements dans le village du général Sekouba Konaté sans que lui, il ne soit au courant? Honnêtement. Je dis honnêtement. Je ne peux pas la réponse à cette question. C'est parfait. Dites, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que vous aviez l'habitude, en tant que chef d'État, major de, chef d'État plutôt, de l'armée de terre, de communiquer directement avec le président? Non. Non, n'est-ce pas? Et quels étaient les niveaux d'hiérarchisation s'il fallait passer un message
venant de vous au président. Il fallait passer par qui? Monsieur le président-major général des armées. C'est parfait. Alors vous confirmez exactement ce que le général Baldé venait de passer à déclarer hier. Alors on revient à la pyramide inverse. Est-ce qu'il est arrivé que le président vous saisisse directement sans passer par ou le ministre de la Défense ou le chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous comprends parfaitement. Croyez-moi, je vous comprends. Alors, je reviens sur une dernière ou une avant-dernière question qui vous a été déjà posée. Vous avez dit dans votre PV que pour vous, vous avez accompli votre mission. On vous a demandé si vous confirmez cela. Vous avez dit oui. On vous a dit quelle mission? Vous avez dit la mission d'un militaire pour avoir occupé votre poste. Avec le recul, général, avec le recul. Est-ce que vous êtes fier? Fier de vous, d'apprendre que dans le camp dont vous avez la commande, vous apprenez à la presse qu'il y a eu des corps et des blessés arrivés dans ce camp et que vous n'ayez pas le temps d'aller voir. Est-ce que si vous devriez revenir dans le passé, vous serez au moins descendu pour vérifier? Est-ce que ça aurait aidé ce tribunal pour connaître au moins qu'il y a eu effectivement des corps et des blessés? Je n'ai pas la réponse à cette question. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Plus de questions. Vous pouvez disposer. Le tribunal envoie cette affaire au 13 décembre 2023 pour la suite. L'audience est.